Ok guys, alors aujourd'hui je fais une vidéo full spéciale parce que évidemment vous avez pas manqué, j'ai déménagé en ce moment à Montréal et je suis rendue une professionnelle du déménagement. Et en plus de ça, aujourd'hui je vais vous parler de tous les essentiels que vous devez absolument, absolument aborder avec vous en appartement quand vous allez partir parce que girl, without all this, you're nothing, girl you're nothing. Honnêtement, je vais vraiment vous parler de trucs super essentiels que vous devez apporter avec vous dans votre premier appartement. Et je veux remercier tout de suite Best Buy et Dyson pour sponsoriser cette vidéo parce que, girl, mon fer plat est mon essentiel de la vie. Vous savez, moi, je suis frisé. Hein? Donc, tous les jours, je suis extrêmement frisé, genre extrêmement boudiné, là, genre que je suis un petit mouton un petit peu partout, OK? Avec Dyson, avec ce nouveau fer plat sans fil que tu peux acheter chez Best Buy, my girl, je pense que t'as jamais vu vraiment c'était quoi un fer plat, okay? Que je peux emmener dans ma sacoche qui a un écran qui va maximum à 210 degrés, ok? C'est pas beaucoup. Mais quand tu as des nouvelles plaquettes avec une technologie qui fait en sorte que la température est réglée toute seule, ok? Je veux dire, je pense que tu peux styler tes cheveux n'importe comment sans même avoir beaucoup de chaleur. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un fer plat qui faisait pas beaucoup de chaleur, que je me brûlais pas les oreilles à chaque fois. Fait que dis-toi que si jamais tu vas chez Best Buy, oui, t'as des fer plats. Et oui, t'as le fer plat Dyson. Et oui, tu peux avoir ta commande, tu la prépares en ligne, tu vas la chercher 20 minutes plus tard, ou bien tu la fais livrer chez vous pour 35$ et plus. La livraison, elle est gratuite. So girl, that's your moment, parce que ça, c'est un essentiel d'appartement. Moi, c'est mon essentiel, en tout cas. Je sais pas pour vous. Vous, whatever you wanna call it, mais moi, mon fer plat Dyson, je peux vous porter sans ça. Okay, une chance que je l'emmène ici. Sérieusement, je sais pas ce que j'aurais fait. Il fait tellement humide à Montréal, en plus, ça même pas d'allure, fait que j'ai besoin de mon fer plat. Je le mets quasiment dans ma sacoche, je te jure, je l'emmène au restaurant, je suis comme, excuse-moi, je vais prendre genre un calmatri. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai choisi tellement pris, mais je vais vous mettre le lien de chez Best Buy Canada dans la barre d'infos en bas si jamais tu vas aller voir le fer plat Dyson. Honnêtement, c'est ma découverte de l'année, vous comprenez même pas. Ok, mes cheveux en tout cas me remercient. Déjà là, c'est déjà bien. Si mes cheveux m'écrivent la nuit, c'est que ça vaut la peine en tabac. On va passer au prochain essentiel. Parce que, évidemment, comme vous savez tout pas mal, moi j'ai déménagé à Chicago maison 9. Ok, à Chicago maison 9, vous avez les meilleurs ramen à vie. Ok, fait que si t'es en train de me dire que pour toi un essentiel c'est pas des ramen, ok, je ne sais pas t'es qui. Genre, c'est pas vraiment pas pour te juger, mais si t'as jamais mangé ces ramen-là dans les petits dépanneurs du coin, à Chicago maison 9, madame, tu sais pas c'est quoi un essentiel. Parce que clairement, un essentiel d'appartement c'est des ramen. C'est des vrais ramen là, pas des ramen de chez Supercité là, des ramen de chez le dépanneur express du coin. Que tu sais pas, je suis en amour avec ces ramen là, je pense que je mange ça au moins 10 paquets par jour. Ça n'a même pas de sens, ça n'a même pas d'allure. Je vois, je les ai jamais goûté justement, je suis vraiment 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 intéressé. Oh, ça a l'air de pas lourd. Je sais pas si ça va être un essentiel, mais on verra bien. Donc, évidemment qu'en appartement, ma belle, t'as besoin de vie, ok? L'essentiel là, c'est de vivre. Hein? Je pense qu'un des essentiels de notre vie là, c'est d'être capable de respirer. Je te dis ça, puis je suis en train de retendre ma tête, excuse. Il vous faut des plantes. Ok, moi je vous présente maintenant toutes nos plantes. C'est le moment présentation de plantes de chez Gabrielle et Marion. Parce que pour moi, c'est mes essentiels. Pour nous, c'est nos essentiels. Okay? C'est mon ami Guillaume qui est venu nous voir tout ça l'autre jour. Okay? C'est rendu des membres de la famille. Qui a jamais dit qu'un essentiel, c'était pas un membre de la famille? Personne. Moi, j'ai jamais entendu personne dire qu'un essentiel, c'était pas un membre de la famille. Qu'un membre de la famille, c'était pas un essentiel. Ou whatever you want to call it. De la façon que tu veux le dire, est-ce qu'on s'en fout? Je vous présente maintenant mon essentiel de vie. Okay? Parce que sans eux, à chaque jour, je ne sais pas comment je ferais pour vivre. Ok. Okay. Ok. Ce n'est pas Gabrielle dans la jungle, c'est Gabrielle à la chaleur de bonheur avec ses plantes qui sont ses essentiels de famille. Ok, bonsoir. On va commencer par. On a Happy Brittany. Ok, Happy Brittany avait un petit peu de misère, mais elle est en train de revivre. Elle va devenir aussi longue que celle-là, je me trompe pas. C'est-tu la même chose? C'est pas la même chose. Hein? Tu vois, je suis une professionnelle de la plante, quoi, chose. Je pense qu'elle va descendre, mais je suis pas sûr. Tu vois, comme là, il manque un peu d'eau. Marie n'a pas été depuis une semaine, là, ça parle. On a ici Lien Rebecca parce que, hein, Rebecca est cute. Écoute, my life also. She, like, I feel like she's lying. Like, are you lying? Are you lying? Why the fuck you lying? L'essentiel, c'est qu'elle va bien. And she's there. On a ici, tu vois, je le connaissais pas. À moins que ce soit parce que c'est peut-être le petit pot avec des petits seins que je suis pas trop heureux de comprendre. Mais, on va le surnommer un autre jour. On a ici, we call her Dying Tiffany. Dying Tiffany, non, on parle pas de because she's dying, like, elle est pas en train de mourir, là, c'est juste qu'elle est un peu faible, là, elle est restée dans l'eau pendant vraiment longtemps, dans un petit verre d'eau. Puis là, ben, on vient juste la transplanter. En fait, Marie vient juste la transplanter, parce que Marie, c'est clairement la mère de famille, tu sais. Elle est un peu molle, hein. On va se dire que, genre, elle est en vie, mais plus proche de Dying qu'en vie. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi déjà son nom? Est-ce que j'ai dit déjà Dying quoi? Dying Rebecca? Dying who?
Ici, on a Struggle Vanity. Comme vous pouvez voir, non, she's not dying. Son nom, c'est pas dying. Dying, c'est l'autre. Elle, c'est Struggle Vanity. Parce que, comme tu peux voir, she's struggling a little. Like, just a little. Mais comme, that means nothing. Je veux dire, c'est un très bon aloès. On l'aime beaucoup. On la chérit beaucoup. Ça paraît pas. Mais on la chérit et boot. Ouais, les boots, tu sais, quand t'as vendu, elle aurait besoin d'une petite rime. Ça stream-tu un aloès? On a ici la pièce de résistance qui est Orny Mariah. Orny Mariah, c'est ma préférée, pas parce qu'elle est Orny, mais parce qu'elle s'appelle Mariah, you know? C'est ma chanteuse préférée, puis on dirait qu'elle fait des fioritures, tu sais. Fioriture de l'aiguille, là, c'est Mariah. So, Orny Mariah, avec le petit pot qui fait un petit peu horny, like savage, you know, we love it, mais comme, whatever. C'est nos meilleurs amis, en fait, c'est nos essentiels de vie, fallait venir. Quand on allait partir en appartement, c'était impossible qu'on n'avait pas de plantes comme ça, parce que on s'aurait même fait une petite serre, genre, on a comme un petit solarium en ce moment, il me semble qu'on s'aurait fait une serre, on aurait mis des plantes un peu partout. Mais voyons, vraiment, ils savent ça, ça va pas bien. Mon Dieu, il y en a aussi de la pluie, c'est bien. Puis ce qui est vraiment important aussi là-dedans, qui est un gros essentiel, c'est, genre, de faire, pourquoi vous faites pas, genre, brûler la sauge un peu. Regardez, brûlez-moi ça de la belle sauge dans l'appartement, là. Je pense que la sauge maintenant, c'est ça qui me. Tabarnak, c'est normal avec les cigarettes, chaud. Je pensais que c'était ça qui allait brûler mon appartement, mais moi je pense plus que mes détecteurs de fumée vont partir, là. Je devrais. On est sûr que c'est de la sauge à faire brûler? J'ai l'impression que je devrais faire brûler, c'est pas bien, mes choses, là. Je cherche peut-être à faire partir de la négativité, là, mais là je suis pas les bombiers, là. Ok. Ok. Ça, parce qu'on voit que la lumière vient de baisser en même temps. Donc, dernier essentiel extrêmement important, ma belle, ok? Puis ça, je te jure que c'est vraiment important, surtout quand tu as l'impression que tu n'es pas 100% sécure dans ta nouvelle maison. Évidemment, un safe, donc, tu sais, un coffre-fort, hein, c'est vraiment important dans ton appartement. Surtout quand les batteries sont rendues loose dedans ton safe et que tu peux plus l'ouvrir et que t'as plein d'argent dedans. Fait que petite story time par rapport à ce safe-là. En fait, moi et mes amis, on a une petite affaire organisée, genre un petit chalet. Puis à chaque fois que je dis un nom ou un mot spécifique, je dois mettre 20$ dans le coffre. Okay, évidemment, je suis rendu loin parce que j'ai dit ce mot vraiment souvent. Un peu trop souvent dans les dernières semaines. Mais la chose, c'est que on s'est rendu compte quand que un de mes amis, Guillaume, qui est mon ex, quand j'avais 17 ans, est arrivé chez moi. Et j'ai pris son téléphone pour changer de tune ou pour aller dans une application, je ne sais quoi. Et je me suis rendu compte que son code de téléphone, c'était le même code qu'avant. Et puis là, je lui ai dit, oh my god, est-ce que ton code, c'est le code de mon coffre-fort? Parce qu'évidemment, je ne me souvenais plus du code coffre-fort. Et je ne l'utilisais pas chez mes parents. Puis là, dans un appartement, je l'avais emmené, mais il n'y avait rien dedans. Mais comme, je n'avais pas le code, mais il n'y avait rien dedans. Fait que je ne pouvais pas chialer. Au moins, il était là. J'avais l'impression que j'étais riche en tabarnouche, mais peut-être pas. T'sais. Guillaume court dans la maison et court dans ma chambre. Il fait son code de cellulaire de mon code de coffre-fort. Puis c'était encore mon code de coffre-fort, j'étais décédé, le coffre-fort s'est ouvert! Évidemment, il y avait zéro argent dedans encore. Mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé de commencer à mettre de l'argent dedans. Je mets de l'argent dedans, je mets de l'argent dedans. Un de mes amis, Tom, m'a dit, mais là, tu devais peut-être changer le code de ton coffre-fort, vu que Guillaume le connaît. Tu sais, comme, ça veut dire que genre, t'as le même code depuis genre 10 ans. Fait que ce serait une bonne idée, tu changes. Fait qu'on est comme, ah ben, bonne idée, on ouvre la porte du coffre-fort. Puis en arrière, où est-ce qu'il y a les batteries, il y a genre un petit bouton, hein. Tourne le petit couvercle devant la batterie, il y a un petit bouton, tu pèses dessus, tu reset, il n'y a plus de code, tu refais ton code. Je refais un code, on ferme la porte du coffre-fort. Ma belle, on n'avait pas mis le couvercle par-dessus les batteries quand j'ai fermé la porte de mon coffre-fort. Qu'est-ce que tu penses qui est sorti de son sac? Ben les batteries! Fait que le coffre-fort, il y a plein d'argent, il s'ouvre pas et les batteries sont juste dedans. Mais ça, c'est un bel essentiel, la vie. Ça, c'est un essentiel dans l'appartement. On adore ça. Surtout qu'il paye genre 367 livres. Hein, ça vaut vraiment la peine que j'en mette 10. Mais, you know, whatever. She's a strong woman, tu sais. Au pire, je vais emmener mon coffre-fort au voyage ou je vais emmener mon coffre-fort dans le chalet. Je vais donner mon coffre-fort. Tiens, il y a 3000$ dedans, ma belle. Arrange-toi avec ça. Donc, c'était tout, guys, pour mes essentiels d'appartement. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé ça vraiment pratique. J'espère que vous avez noté ça dans une liste, dans votre téléphone, sur du papier avec un crayon, ok, parce que c'est vraiment important. Et que je ne vous vois jamais, que je vous vois jamais passer à côté de cette liste-là, puis vous dire, ben voyons donc. Mais non, j'ai pas besoin de ça parce que ma belle, tu comprends pas, c'est essentiel. Si tu prends pas ces essentiels-là, je sais pas comment tu vas sauver mon appartement. Je te le dis tout de suite, ok? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment rendu service. Oubliez pas, évidemment, écrivez-moi peut-être dans les commentaires en bas, c'est quoi vos essentiels d'appartement à vous? Genre, qu'est-ce que vous apporteriez avec vous absolument en appartement que vous pensez que vous pourriez pas vivre sans ces produits-là en appartement? J'aimerais vraiment savoir. Peut-être que je pourrais ajouter des choses dans mon essentiel. T'sais. Oubliez pas, vous abonner à ma chaîne. Mettez un beau petit thumbs up. Ah, on aime ça, ça vous, vous aimez ça, puis tout. Il y a d'autres vidéos s'en vient, puis je pense que vous êtes pas propre, hein? Fait que c'est ça. Fait que je vous aime. À bientôt. Bye!